Du moment qu'on nous a dit qu'on était pris comme candidate sur Tour de France, tout le monde s'est mis au travail. Et je pense que c'est un travail énorme des services techniques, c'est un travail énorme des élus, de tous ceux qui bossent à la mairie. Et je pense qu'aujourd'hui, on va être au jour moins 2 et on va être super. Je pense qu'on est sous la pression de tous les touristes qui arrivent, mais tant mieux, on le voulait. Hein. Je pense que c'est aussi vendre le pays du Mont-Blanc, vendre les belles images de la ville de Sallanches. Il faut qu'on se dise aussi que c'est une affaire commerciale. Hein. Il faut que industriel, touristique, artisanal, tout le monde pense que demain, ce sera un plus pour la région, parce que cette médiatisation, personne ne peut nous l'offrir. Donc, il faut qu'on sache en profiter, il faut qu'on donne envie aux gens peut-être de venir s'installer ici, ne serait-ce que si que des gens, des professionnels puissent venir s'installer. Il n'y a pas que du tourisme. Et on aura, je pense, réussi avec beaucoup d'amour, mais aussi de passion, de faire venir peut-être des gens qui ne seraient jamais venus au pays du Mont-Blanc. J'en suis sûr qu'on va réussir ces 3 jours de folie sur le Tour. Et puis pourquoi pas changer pour une fois l'ordre de ceux qui sont en tête ou pas en tête aujourd'hui, parce que ce sera quand même très dur. Hein.